abakomeje gukurikira gahunda za Pacis TV televiziyo kiza gaturika mu Rwanda nkuko twabararikiye turi mu rugo rw'intumwa papa mu Rwanda aho hamaze kugezaho ubutumwa nyiricyubahiro musenyeri Arnaldo Catoni intumwa papa mu Rwanda akaba ari atanze ubutumwa mu izina rya papa ndetse na ministri w'ubanyi n'amahanga wa guverinoma y'u Rwanda akaba yagize ubutumwa atanga mu izina rya guverinoma y'u Rwanda ubwo turi kugana ku musozo w'iki gikorwa ngize amahirwe yo kwakira umunyamabanga mukuru inama y'abepiskopi gaturika mu Rwanda padiri Kasaye Vedaste reka tumwakire muri studio za Pacis TV padiri mwiriwe mwiriwe neza yego ndatekereza mwaragize uruhare mu gutegura uyu munsi uyu munsi imyaka 60 iruzuye guverinoma y'u Rwanda ifitanye umubano na Vatikani cyangwa se kiza gaturika ku isi uyu mubano murawubona gute byishimo mufite bimeze gute ibyishimo ni bya kiriziya yose y'u Rwanda cyane cyane abepiskopi bacu araba kera bakiriho ari nabubu ngubu bose bishimira cyane cyane bishimira cyane cyane uyu mubano kandi bakabona yuko imbuto kiriziya yeze ikomoka ku byiza twagiye duhabwa na kiriziya y'isi yose abaje kutwigisha ivanjiri boherezwaga na kiriziya y'isi yose hanyuma tuza kugira amahirwe rero yuko iyo kiriziya y'isi yose yagize abayihagarara ku buryo bwihariye hano mu Rwanda akaba hashize imyaka 60 ibyo rero n'ibyishimo ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma no gushimira Imana ko twagize ayo mahirwe yo kubona hafi yacu aboherejwe n'abaduhaye ivanjiri n'abaduhaye kumenya inkuru nziza padiri ngize amahirwe turabonye amakuru ariho nuko guhera mu mwaka wa 2005 nta muntu uhagarariye guverinoma y'u Rwanda Vatikani ese byo mu bisesengura gute ese byaba byaragize icyo byafekta cyangwa se bihungabanya ku mubano w'u Rwanda na kiriziya gatolika ntabwo ari ukuvuga yuko nta uhagarariye leta y'u Rwanda Vatikani ntabwo abafite icyicaro Vatikani abagifite mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa ariko ibikenewe akabikora ibyo ntibivuga yuko umubano utari mwiza umubano ni mwiza waba mwiza kurushaho wenda agiye hafi aho ngaho ariko iteka bijyana n'ubushobozi bwa leta cyangwa se bakareba n'igikwiye kuba rero guhera 2005 adahari ntibivuga yuko imigenderanire itameze neza urabizi yuko perezida wacu yagiye gusura Vatikani urabizi neza yuko buri gihe hano tuba dufite intumwa ya papa mu Rwanda ikorana neza na leta murabizi neza yuko abepiskopi bacu bajya mu rugendo akenshi Vatikani no kuvuga yuko n'urujya n'uruza ntabwo wenda byose byaba nk'uko tubishaka ariko nibabona ari ngombwa byanze bikunze hazagira na ambasaderi wacu ujya i Vatikani ariko n'ubu ngubu birakorwa kandi abantu bajyayo J'aimerais passer le microphone à mon collègue Benjamin. Pour la langue française. Ok, merci. Ça serait un grand plaisir pour nos téléspectateurs de la langue française. Donc nous sommes avec le père Vedaste Kaisabe. Très bien. Qui va peut-être nous dire un peu l'importance de cette célébration exceptionnelle de 60 ans marquant les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République du Rwanda. Qu'est-ce que vous dit cette journée particulière? C'est une journée excellente. La grande fête sera demain à la fête de Saints Pierre et Paul. C'est vraiment pour nous une grande joie parce que nous venons de totaliser 60 ans de relations diplomatiques.
Auparavant, l'Église était présente au Rwanda, mais pas d'une façon très visible, du moins une représentation du Saint-Siège ici au Rwanda. Et une fois qu'on a eu cette représentation, ça a été une grande joie. On a senti la proximité de l'Église universelle par rapport à l'Église du Rwanda. Et cela, ça fait 60 ans. Et le chiffre 60, c'est un chiffre voilà, qu'il faut fêter. Ce n'est pas un jubilé comme 50 ans, mais c'est 50 plus 10. 10 et donc, c'est bien, on fête ça avec joie. Et on commence à se sentir un peu aussi ancien par rapport à ces relations-là. Et 60 ans, c'est déjà un temps considérable. Quoi. Merci, Père. Est-ce que vous pouvez évoquer quelques moments importants de cette relation bilatérale qui existe entre le Saint-Siège et la République du Rwanda? Oui, donc les moments importants, si vous voulez, ça a été l'acceptation, par exemple, de la conférence épiscopale du Rwanda. Ça a eu lieu en 80. Et donc, le Saint-Siège a été d'accord qu'il y ait la conférence épiscopale du Rwanda. Ça me concerne parce que je suis le secrétaire général. Quand bien même je suis nouveau, mais ça me concerne beaucoup. Mais nous avons eu une joie intense quand il y a eu la visite du pape, du Saint-Pape Jean-Paul II. En 1990, du 7 au 9 septembre. Et c'était, on ne sait pas comment le dire, et on a eu cette joie-là de l'accueillir. C'était un saint déjà pendant sa vie sur la terre. On se rappelle bien comment il a baisé la terre du Rwanda et comment il nous a prêché et comment il a été presque un prophète pour ce pays. Et nous nous rappelons de tout ça et nous rendons grâce à Dieu qu'un saint ait foulé le sol du Rwanda. Et ça nous a donné la... je pense une certaine bénédiction, même si ça doit passer par les difficultés, mais nous sommes passés par les difficultés dans notre histoire, mais nous avons aussi l'espoir que ce saint qui a été ici, qui a ordonné même les prêtres ici, parmi lesquels il y a deux évêques, et ça a été, on ne sait pas, c'est vraiment indicible, on ne sait pas comment le dire, mais nous rendons grâce au Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons ça avec joie. Et ici, nous sommes avec, disons, la représentation diplomatique du Saint-Siège. Et nous sommes heureux d'avoir été accueillis et de voir plusieurs personnes venir vers, disons, l'annonciature apostolique. Tout à fait, mon père. Tout à l'heure, quand on a écouté le discours du nonce apostolique, il a cité un peu les œuvres et les actions de l'Église catholique au Rwanda, surtout notamment dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire de l'éducation primaire jusqu'aux universités, et également en ce qui concerne les institutions hospitalières. Également, lorsque le ministre des Relations extérieures a pris la parole, il a reconnu également ces efforts ou bien encore ces avancées que l'Église réalise pour pouvoir aider, épauler le gouvernement rwandais. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que l'Église va continuer dans cette lancée pour les années à venir? Oui, sans doute, l'Église va continuer dans cette voie-là et fera encore plus des initiatives, notamment nous avons un pape actuellement qui veut qu'il y ait une fraternité au-delà des frontières, et en partant même de Fratelli Tutti, il nous donne un exemple d'avoir un esprit ouvert qui va vers tous, et qui cultive la paix, la charité et la fraternité. Et l'Église du Rwanda voudrait ça.
Le gouvernement du Rwanda aussi, quand il nous demande de renforcer l'unité entre les composantes de la société, nous trouvons que nous avons un champ commun que nous devons exploiter. Alors quand les gens sont en paix, quand les gens sont unis, ils peuvent faire mieux, ils peuvent faire beaucoup plus et avoir beaucoup plus de fruits, que ce soit dans leur apostolat ou que ce soit dans leur travail quotidien. Merci beaucoup mon père, merci. Donc nous disons à nos téléspectateurs que demain il va avoir une célébration solennelle au niveau de la cathédrale Saint-Michel pour ses 60 ans marquants les relations bilatérales entre la République du Rwanda et le Saint-Siège. Je vais passer le micro à mon confrère Maurice pour pouvoir récolter les impressions de nos invités. Ok. Murakoze cyane dukurikiye akabazo kanyuma rero Padre Vedaste tutari twatandukana mu myaka 60 iri imbere nk'abakristo gatolika mu Rwanda bitega iki muri uyu mubano ukomeje kuba ubukombe hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Vatican. Ngira ngo ikintu kinakomeye ubundi Vatican kuba ifite abayihagarariye hano mu Rwanda nibyo ni nka ambasaderi ariko na ambasaderi uri mu rundi rwego no kuvuga yuko ahagarariye papa nyirubutungane papa hano mu Rwanda kandi nyirubutungane papa niwe uhagarariye kiriziya y'isi yose niwe mushumba wacu mukuru kandi ubutumwa afite no gukomeza umurimo watangiwe n'intumwa za mbere Petero icyo yakoze cya mbere ni uguhamya ubumwe bw'abemera Kristo hanyuma Paulo nawe tuzahimbaza akaba we yarahagurutse akageza inkuru nziza kuri bose icyo yagamije no kugira ngo abantu baronke agakiza Yesu Kristo yatuzaniye bamenye inkuru nziza itujyana mu bugingo bw'iteka. Icyo twakwifuza ni uko myaka 60 hazaba hari ubuvandimwe, hazaba hari urukundo, hazaba hari ubumwe bwo buzadufasha kuronka ubugingo bw'iteka igihe tuzaturangije ubuzima bwacu hano ku isi. Padre murakoze cyane ndetekereza n'abadukurikiye bakomeje kunyoterwa kuko tuzajya n'ibindi biganiro bizagaruka kuri uyu mubano kandi tukazabatumira. Murakoze cyane mugire umunsi mukuru mwiza. Namwe kandi umunsi mukuru mwiza. Abakomeje gukurikira Pacis TV ngize amahirwe yo kwakira umuvandimwe akaba ari Padiri Simplice Traore.